Pendant des millénaires, les forêts tropicales ont grandi dans la chaleur et l'humidité. On y trouve rassemblée la plus grande diversité de plantes et d'animaux qu'une terre puisse porter. C'est un monde fragile et fermé sur lui-même, où la matière organique, sitôt décomposée, quitte le sol pour de nouvelles pousses. Mais c'est aussi un colosse qui régularise le régime des fleuves et le climat de toute la région alentour. C'est enfin un trésor de ressources génétiques. On défriche maintenant ces forêts à grands coups, pour les minerais, pour l'industrie du bois et surtout pour cultiver leurs terres. Pourtant, le sol privé des arbres s'épuise en quelques années. Il est vital d'exploiter ces forêts, mais il est possible et nécessaire de le faire sans les tuer.